immédiat de Sassou Nguesso du pouvoir et il partira par tous les moyens. Nous nous battrons, nous resterons debout. Et comme l'on peut constater aujourd'hui, nous bravons la pluie, nous bravons l'hiver. De toute façon, se conduire notre peuple dans les forêts, se conduire les retraités, se conduire nos malades, et bien pire que ce moment sous la pluie où nous défendons le Congo. Car le Congo, c'est tout pour nous. Nous ne pouvons pas abandonner ce pays, car les générations futures nous interrogeront. Qu'avez-vous fait de ce pays? Pourquoi avez-vous laissé le pays dans l'abandon? Pourquoi avez-vous laissé Sassou Nguesso et son clan détruire ce pays? C'est le Congo que nous voulons sauver et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour cela que nous invitons tous les Congolais à se lever car seule la lutte nous libérera. Seule, la mobilisation des Congolais libérera le Congo. Ingeta, ingeta, ingeta. Monsieur Macron, ne nous le fais pas à la hollandaise, à la valse. Tu as dit en marche. Et nous te demandons en marche vers le président qui sont déjà depuis des années et des années qui doivent quitter le pouvoir. En marche pour quitter le pouvoir. Comment ça se fait? Vous êtes en marche et vous avez reçu ce dictateur, ce sanguinaire, ce tyran. Ne nous dites pas que vous ne savez pas. Vous le savez très bien. Alors en marche. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vers la complicité avec les dictateurs d'Afrique? Ou alors vous le faites dégager du pouvoir? Et tous les Congolais veulent la paix. Monsieur Sassou Nguesso, qui est le cancer du Congo, débarrassons-nous de ce cancer. La victoire est proche. Nous allons réussir. Le Dieu des Péos va nous aider. Nous attendons la paix. Nous voulons le dialogue. Le dialogue. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus. Vous êtes sur Diana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ici
sur la place de Bercy où a lieu une manifestation organisée par la diaspora congolaise. Il faut dire, mesdames et messieurs, que ces derniers temps, l'actualité congolaise à Paris a été assez dense depuis l'arrivée dans la capitale française du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu ces manifestations du côté de l'hôtel Bristol où il est descendu avec sa délégation. Vous avez vu la visite des indignés, vous avez aussi vu ces Congolais qui se sont exprimés d'une manière assez, je dirais, dure par rapport à cette réception des chefs d'État et délégation qui a eu lieu hier à l'Élysée. Vous avez vu Denis Sassou Nguesso, bien sûr, marcher sur ce tapis rouge de l'Élysée, ce qui a provoqué pas mal de débats dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est maintenant à d'autres Congolais d'être là ce matin. C'est très chaud, il pleut, il fait froid. Ils sont là afin de pouvoir protester contre la réception ici à Bercy de Denis Sassou Nguesso par Bruno Le Maire. Alors, mesdames, messieurs, il y a depuis quelques temps des rumeurs qui courent, comme quoi cette réception aurait été annulée. On ne peut pas vous le confirmer, mais toujours est-il que les Congolais sont là pour manifester. Vous voyez ce bâtiment en arrière-plan, c'est le bâtiment du Bercy qui accueille le ministère des Finances et de l'Économie et aussi le ministère des Comptes. Merci de nous suivre, merci de rester fidèles à la TV, surtout merci de porter cette image. Alors, c'est un peu compliqué pour vous, parce que abondamment, dans la famille de son vous garder et de vous faire profiter de ces moments. Merci et restez connectés sur Zena TV. Voilà, mesdames et messieurs, vous reconnaissez là madame Lala Lukumba Gertrude et madame Nikongo Vokal qui a son mari aujourd'hui en prison du côté de Brazzaville. Alors bonjour, comment dire, j'ai tenu à y être parce que le combat que nous sommes en train de mener depuis un certain nombre d'années est en train de donner ses fruits. Alors le combat est tridimensionnel. Il passe par des manifestations, des sittings, des marches, et ensuite ça passe par le politique et puis par la diplomatie. Donc il y a des personnes qui sont plus orientées vers la diplomatie, ils font leur travail. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus orientées vers le politique, ils font également leur travail. Évidemment, les moyens, les différents moyens de pression, c'est également les marches et les sittings. Alors, c'est vrai que les uns et les autres se sont demandé pourquoi Gertrude ne vient plus aux sittings, aux marches et tout. Tout simplement parce qu'il faut peut-être reformuler cette façon de faire les sittings pour qu'il y ait un peu plus d'ordre, parce que chacun tire un peu le drap de son côté. Mais je suis confiante, toutes les personnes qui s'activent, qui ont des bonnes idées, font un travail. Tout le monde met quelque chose, sur la construction de notre pays. Alors, que les gens ne s'inquiètent pas, pourquoi Gertrude n'est plus dans les manifs, tout simplement parce que nous avons pensé faire le travail autrement. Nous sommes beaucoup plus portés actuellement sur le politique et sur la diplomatie. Et je vous apprends également que là-bas, Monsieur Bruno Le Maire, depuis le lundi après-midi, le président de la diaspora, Henri Pémo,
lui a envoyé une note où il a décrit minutieusement ce qu'est M. Sassou Nguesso, ce qu'il a fait pour, comment dire, contre le Congo, tous les crimes économiques et sociaux et surtout les crimes humanitaires. Donc Bruno Le Maire est au courant de cela. Lorsque nous avons appris sur le perron de l'Élysée, et ce n'est pas parce qu'il y a eu des accolades, mais c'est normal. Et M. Macron l'a fait à tout le monde, parce qu'il devait partir de l'Élysée pour aller à Lille, ce gars, là où devait se passer justement leur réunion. Et il a reçu les 50 délégations. M. Macron n'a reçu que trois présidents. Ibeka, Youssouf, et puis l'autre, le nom m'échappe un tout petit peu. Et M. Le Drian, qui est un lobbying de M. Sassou Nguesso, a souhaité que M. Sassou Nguesso s'incruste dans cette délégation qui va être reçue par M. Macron. M. Macron a dit « Niet, je ne le recevrai pas. » Qu'il règle d'abord le problème du Congo. Voilà. Donc il ne faut pas que les gens confondent les choses. Voilà, M. le journaliste. Alors, donc, vous voyez un peu de... Voilà, donc ces hommes qui vont partir à Bercy. Donc vous allez à Bercy, c'est ça? Oui, on va déposer un dossier. Vous avez déposé un dossier du côté de Bercy. D'accord, vous nous direz ce qu'il en est concrètement. Voilà, donc vous déposez là. Monsieur Mawawa, cela s'est passé à Genève avec monsieur Michel Condé. Dans le bureau de Bercy, déposé un mémorandum. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous êtes ici sur Scène TV, en direct sur... Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zen TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes ici, bien sûr, tel que vous le constatez, à Bercy, où depuis 7 heures, les Congolais se rassemblent. À tour de rôle, certains viennent, d'autres partent, certains arrivent, d'autres restent, tel que vous le voyez ici, afin de pouvoir sensibiliser le ministère de l'économie. Où devrait être accueilli Denis Sassou Nguesso par M. Bruno Le Maire. Donc le ministère, c'est celui-là. Il y a des personnalités qui sont allées dans les bureaux de Bercy, c'est Michel pour l'instant ici à Paris dans le cadre de cette manifestation. Parce que vous l'avez vu ces derniers temps, parfois il y a eu des débordements. On l'a vu du côté camerounais en recherche simple, on l'a vu aussi du côté des Congolais au pistolet, désormais la police est présente de manière assez mesdames et messieurs, toujours là. C'est le signe, la série, le club des diasporas. Quelle est cette mère qui autorise, qui permet à son mari de maltraiter ses enfants? Les Congolais n'ont pas accès aux soins. Les Congolais n'ont pas accès aux soins. Ils sont pas scolarisés dans des conditions.